Les températures sur Terre vont dépasser un seuil critique si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas rapidement, selon le dernier rapport du GIEC. Le principal organisme mondial de climatologues met en garde contre les conséquences de l'inaction, alors que des engagements forts avaient été pris par des dirigeants venus du monde entier lors de la COP21 à Paris en 2015. Nous sommes sur la voie d'un réchauffement climatique de plus du double de la limite de 1,5 degré convenue à Paris. Certains gouvernements et chefs d'entreprise disent une chose, mais en font une autre. En d'autres termes, ils mentent. Et les résultats seront catastrophiques. Il s'agit d'une urgence climatique. Des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes ou encore la montée du niveau des mers et des océans provoquant d'immenses migrations de populations. Voilà de quoi sera fait l'avenir si la température sur Terre continue de grimper. Il reste malgré tout encore un espoir d'inverser la tendance. Le grand message que nous voulons envoyer, c'est que ce sont les activités humaines qui ont provoqué cette situation, et c'est aussi l'intervention humaine qui peut nous en faire sortir. Tout n'est pas perdu. Nous avons vraiment encore la possibilité de faire quelque chose. Parmi les solutions préconisées par le GIEC figure notamment l'abandon rapide des combustibles fossiles au profit d'énergies renouvelables et un soutien massif aux pays pauvres incapables de financer ces mesures sans aide.